Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Et on continue toujours à essayer de sauver un petit peu tout le monde, à essayer de soigner. C'est une galère monumentale, une galère sans nom. Mais on réussira bien au bout d'un moment. On réussira à gérer ça. Alors déjà, E2, Canopium, j'espère que vous n'allez pas vous blesser ici. Puisque la priorité là, c'est de construire des lits ici. Voilà, pour qu'ils puissent se reposer. Ok. Tu sens que le cuistot il veut faire son taf quoi. Bon, en théorie ils sont pas censés trop s'approcher de l'autre truc, donc ça devrait le faire. Pétrole brut. Ah oui, c'est parce que là je sais pas pourquoi il y avait du pétrole ici, mais c'est ok. Eux ils sont en train de se faire soigner. Ce lit est déjà attribué. C'est ok. Faites-vous soigner. Prenez le temps. Une fois que vous serez tous full life, on verra ce qu'on peut faire. Hop, celui, il est déjà attribué. Très bien. Tu sens qu'ils sont pas trop en mauvaise santé, quoi. Dès qu'il y a des lits où ils peuvent se soigner, c'est attribué. Instant. Non, ça marchera pas là-dessus. Bon, il fait peut-être un peu chaud ici, mais... on se brûlera avec ça. Il est attribué lui ou pas encore? Oui. Ah là, la prio c'est de construire des liens. Moi je m'en cogne. Hein. Vraiment, ça passe avant tout le reste. Hop. Mon but c'est qu'ils survivent. Hein. S'ils survivent, ils pourront faire le travail après. Hop, Arkham, tu vas aller dedans. À quoi tu vas aller dedans? C'est vrai qu'aller chercher du cuivre à 12 millions de degrés, c'est smart. Ah oui, je peux faire ça. Oh super. Ok, pratique. Hop. Hein? Ah, zut. Tout. Hop, le triage ici. Bon, bon, bon. Tout se produit toujours bien, on est bien, tout va bien dans le meilleur des mondes. La vie est belle, les oiseaux chantent, le soleil brille. Hop. Normalement des barres de boue on n'en produit pas, ni voilà. Faites que des pains gelés pour l'instant, on verra le reste après. Si t'as pas besoin de cuivre, va pas chercher de cuivre. On le met à 4 ça pour que ça passe en dessous des autres. Parce que je pense que plus tard ils vont peut-être aussi stocker du cuivre simplement. Hors service, qui? Ah, il fait trop chaud au niveau de son lit. Ah.
Bon. Ici, on va mettre une combi, là. On va détruire ça. Au niveau des câbles. Hop. Ça devrait bien se passer. Oh là 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 là. Ça permet de maintenir en vue le temps qu'il y a ici bien. Ouais, non, mais c'est à peu près ça. Hein. C'est... Là, actuellement. On est sur de la solution de débrouille, on va dire. D'ailleurs, hop. Bon, j'ai l'impression que j'ai moins de soucis avec quelques lits en plus. Parce que les autres lits sont giga loin. Mais... Oh, salut! Tu coules à combien de milliers de degrés? Ouais, 1500 degrés! Wouhou. Ah, ça refroidit à 1000. Yeah! Pourquoi ça perd que 2 degrés? Genre la différence est giga ridicule. Ah oui, là c'est juste qu'il n'y a pas assez d'hydrogène là-bas, je pense. Si ici si, c'est blindé, on peut l'envoyer dans ce tuyau là. Oups. Et ça, avec une petite prio 9, ça ferait pas de mal. Pour être sûr de reblinder tout ça là-haut d'hydrogène. Et que le truc refroidisse vraiment, quoi. Parce que j'aurai du pétrole qui va finir par geler au bout d'un moment. Est-ce que je finirais pas le circuit juste comme ça pour l'instant? Pour qu'ici au moins ça refroidisse et que le pétrole tourne. Et après ils feront le reste, hein, mais... Ouais, je pense que je vais faire ça. Ticket de conduite revenant, tac tac. Parce que sinon le pétrole il va finir par geler là-bas et ce sera un peu chiant. Donc ça va juste refroidir tout ce qu'il y a là, dans une certaine mesure. Hein. Il est où mon pétrole? Il est là. Il est à 25 degrés le pétrole, sachant qu'il était à beaucoup moins là-bas. Quoique, peut-être pas celui-ci. Attention, il est à 25. Il ressort à 120.
Il y a du progrès, hein, ici au moins. Il y a du progrès. Parce que là, le reste du pétrole va arriver un peu plus froid. Voilà, là, il arrive à 5 degrés. Ici, il y a 5 degrés, 8 degrés, 9 degrés, 10 degrés. Ok. Hop, ça c'est juste qu'effectivement ça fait le taf ici. J'ai l'impression que ça n'avance pas. Ah, parce que j'ai pas mis un pont. C'est parce que j'ai pas mis de pont ici. Œuf de rate, on s'en moque, on rejette tout. Ça. Non, non, celui-ci dans le bon sens, hein, c'est juste celui-ci qui. Comme il n'y avait pas de pont ici. Et en fait, là, ça pouvait et sortir par là, et sortir par là. Et du coup, il savait pas de quel côté aller. À mon avis, c'était ça. Bon, ceci dit, ceci n'a pas beaucoup d'impact. Hein. Ça n'a rien de très grave, qu'on attend la fin de la nuit, par contre. Voilà. Allez, il fait jour. Au boulot. Ce qui est bien, c'est que ma base, elle est fraîche. Arcane, tâche actuelle. Ouais, voilà, nickel. Nickel, nickel. Ce qui fait qu'il y a. Tac, il y en a qui arrivent là-dedans. Ça se vide, ça en fait un petit peu plus. Tout, 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 tout. Bon, c'est juste que j'ai une petite canalisation à vider. Hein. J'avais rien de plus, voilà. Ça fera pas de miracle, mais bon. Ok, on va réaugmenter un peu la prio ici. Si je mets ça à 6. Même à 9, hein, y a un moment où vous allez vous bouger le cul. Vous prenez juste des gouttes de des gouttes de cuivre à 1200 degrés, je veux dire, ça va. Coup de chaleur. Allez, 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 allez. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que ça ne marche plus, mon circuit?
Échelle, démolir. Prio 9. Histoire qu'il passe toujours par là. Quand le perso se rend compte que c'est un crétin. En fait, c'est ça qu'il faut que je démolisse aussi. Que je mette ça. Qu'on fasse ça. Et là, en théorie, après, ils passeront, nanana, tout ira bien. Ah, moi j'ai confiance, hein. Au bout d'un moment ça va marcher. Ça prend du temps, mais... Ok, on va essayer de faire avancer ça, comme ça. Hop. Ils mettent la petite combinaison, ils vont s'occuper de ça, ta 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 ta. I'm so crushed, il va venir là juste après. Ça avance, ça avance, ça avance les gens. On va peut-être réussir à la fin de cet épisode. C'est rigolo, là c'est à 8 degrés, là c'est à 7 degrés. À quel moment ça refroidit si peu? Puis bon, même avec un peu plus d'hydrogène, je veux dire, ça va pas faire... Il y aura pas de miracle non plus incroyable, quoi. Hop, ils se font soigner. Nouvelle journée qui commence. Le fameux chargement de la nouvelle journée. Combinaison. Bah ouais, t'as pas vraiment besoin en fait. Par contre, du coup, je peux remettre un truc là au besoin. Ah. Quand c'est collé, ça marche du coup. C'est bon à savoir. Et ça, je pense que ça va passer dans des plantes sifflantes, hein, a priori. On va peut-être essayer de se faire un truc comme ça après. Qu'est-ce qu'il fait? Ok.
Lui, il s'endort là. Tout va bien. Oh là là, ça progresse à vitesse grand V là, je suis chaud. Ils avaient juste besoin de plus de lits. Voilà. Comme ça, ils meurent pas. Hop, ça c'est beau. Ce qui se passe là, je pense que c'est magnifique. Oxygène irrespirable, gaz corrosif. What the fuck? Alors, on va du coup prévoir la suite. Je pense qu'il faudra que je mette un pont ici. Quoique. Hop. Ça ne peut pas marcher comme ça. Si ça peut. Il faudra juste faire ça, 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 ça. Ça. Ensuite, liquide, conduite rayonnante. Tac. On fait. Comme ça. Ici, ça ce sera pour plus tard. Ah, il va falloir qu'en priorité fasse une mini pompe là-haut, parce que sinon ça va être la galère. Gaz, pompe à gaz miniature. On fait ça. Énergie, on va le relier au même truc, rien à péter. Faut faire sortir les gaz, faut en faire rentrer. Hey, merci beaucoup Evidiost, bienvenue Zevien et Evienne. J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien amusés avec Evie, parce que là on s'amuse pas ici. On essaye de faire survivre des duplicants volcans. C'est une galère monumentale. Je commence à avoir des gaz corrosifs partout. Je pense que c'est le pétrole qui est devenu toxique parce qu'il est devenu gazeux. Je crois. Attendez. Parce que là, pétrole solide, liquide, gaz corrosif. Ah bah oui, c'est ça. Super. On est très contents.
On va se débrouiller, hein, écoutez. Bon, là par contre, vous pouvez tous bosser, hein, rien à péter. Ouais, brûlez-vous un peu, c'est pas grave. On a enfin bientôt terminé ça. Enfin! Ah, ça c'était pas prévu, tiens. Hop. Petite dalle ici au besoin. Le temps qui taffe là-bas, on va essayer d'anticiper l'avenir. Hein. Pour ça, hop, ici comme ça. Ici. Paf. Ici, limite, peut-être plus simple pour moi de faire ça. Hop. Ensuite, ici. Hop. Tout ça, on annule. Oula. Oula là. Ok, ça c'est le petit lag de changement de jour, tout va bien. Ça on récupère. Ici, on peut faire ça tout simplement. Ça. Et ça, on récupère aussi. Puis voilà, on aura pas mal de plantes sifflantes. Bon. C'est quasiment résolu tout ce petit problème. Si c'est pas magnifique. Éruption dans 1,4 cycle. Bon, ça va créer de nouveaux problèmes. Mais... oui, alors. Il y a quand même une prio pour les autres trucs. C'est-à-dire que prio 9. Faites les prio 9 d'abord, s'il vous plaît. Construction. Bah oui. Construisez donc, bande de crétins. Ils s'en moquent en fait. Pourquoi? C'est quelle tâche de qui là? Tâche indisponible. Comment ça? On va refaire hein, au besoin, moi ça me gêne pas. Voilà, vous allez chercher ça. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on va se quitter pour cet épisode et se retrouver très bientôt pour le prochain où je pense qu'on aura enfin terminé avec ce volcan. Des bisous, à la prochaine, commentez, likez et partagez ça. Ciao.